La force de ce réseau, c'est de couvrir tout le département de la Loire, y compris les zones rurales, parce que c'est ce qu'on appelle, on entend beaucoup parler aujourd'hui de ville intelligente, mais il s'agit que tout le territoire puisse profiter de ces nouveautés, de cette innovation. Et c'est aussi mettre à disposition un seul réseau, plutôt que d'avoir un foisonnement de réseaux, et puis aussi de sécuriser les données, parce que tout ce pilotage, il génère beaucoup de données qui vont être consolidées dans le domaine public. Bien sûr, on entend, la population en entend, par exemple nos écoles pour les capteurs de CO2, ça a été avant le Covid, pendant le Covid surtout, où on a eu ce retour des parents, l'inquiétude des instits par rapport à la qualité de l'air. Donc du coup, ben, on en parle autour de nous. Et le CIEL, qui est notre partenaire privilégié pour, on va dire, pour développer cette technologie, on lui en fait part. Et le CIEL aussi vient nous voir pour dire, ben, écoutez, là, ça peut être intéressant de mettre telle technologie sur le territoire bonsonnais. Par exemple, pour le nouveau centre de loisirs, cette double technologie entre la géothermie et les panneaux photovoltaïques, ça a été la première fois que le CIEL installe les deux économies d'énergie sur un même bâtiment avec une économie d'énergie plus pour Bonson. Donc je remercie encore le CIEL parce que c'est vrai que c'est un partenaire pour nous idéal et très constructif sur le territoire. Pour avoir un réseau efficace, il faut qu'il soit bien maillé sur le territoire. Ça va dépendre aussi du relief et de l'usage, parce que si on va chercher des informations sous terre, par exemple, pour relever un compteur d'eau, eh bien, il faudra aussi plus de puissance. Donc, on va densifier un peu le réseau. Le CIEL, c'est 323 communes, 11 EPCI. Donc là, on a 300 passerelles de poser. Selon l'emplacement où on les pose, on voit qu'on n'a pas une passerelle par commune. Mais on a néanmoins tout ce qu'il faut pour capter correctement sur l'ensemble du territoire. Et s'il y a besoin, pour un usage particulier, parce qu'on déploierait beaucoup d'objets à un endroit, de rajouter une petite passerelle, bah vous voyez, c'est pas une grosse affaire.